כבבת שומרם ברכם תהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש Avec la permission d'Hachem, nous sommes tous réunis ce soir à la veille de notre départ à la Hiloula de Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom. Comme vous savez tous, c'est un voyage que toute l'année, je parle pour moi, j'attends toute l'année ce voyage pour me rendre au Maroc, sur le tombeau du Tzaddik, mon grand-père Alav Shalom. Mais depuis 6 ans, nous avons associé avec ce voyage d'autres voyages. Une semaine avant la Hiloula de Rabbi Chaim Pinto, on fait un voyage en Ukraine, là où on va pèleriner des grands Tzaddikim. On fait un voyage de pèlerinage. Et vous savez très bien que lorsque quelqu'un, il fait une faute, par exemple, il brûle le feu rouge, il sait très bien qu'il va avoir des ennuis, il a besoin d'avoir un avocat pour le protéger. Peut-être, il peut même blesser quelqu'un. Alors, lorsqu'il blesse quelqu'un, c'est encore plus grave, parce que, surtout s'il n'a pas de permis de conduire, et surtout si la voiture n'est pas assurée, alors là il a besoin de prendre des avocats pour le protéger. Pour une seule faute, il faut des avocats. Prendre un avocat ou deux avocats. Alors imaginez-vous, vis-à-vis de Dieu, toutes les fautes qu'on fait pendant toute l'année sur toutes les choses que Dieu nous a dit de ne pas faire, ou les mitzvot qu'il nous a dit de faire. Alors vous imaginez combien la chose, elle est grave. Combien c'est tellement grave, la situation devait être tellement grave qu'il faut avoir beaucoup des avocats. Pour une seule faute qu'un homme, un être humain peut commettre vis-à-vis de la loi, il a besoin d'un avocat. Pour divorcer, il faut un avocat. Surtout pour faire le partage, il faut peut-être 2-3 avocats. Mais vous imaginez toutes les fautes qu'on fait vis-à-vis de Dieu, combien des avocats on a besoin? C'est la raison pourquoi il est tellement important d'avoir beaucoup des avocats qui peuvent nous défendre le jour de Rosh Hashanah. Alors c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi la fête de Rosh Hashanah? Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour de l'an. C'est le jour que chacun de nous, il va être jugé devant Dieu. Et vous savez que c'est pas de la rigolade, imaginez-vous, lorsqu'on est debout devant un juge, la peur qu'on a d'être devant un juge. Et là, si on est debout devant Kadosh Baruch Hu, et là, la situation, elle n'est pas très très simple. Comme c'est écrit dans la parasha de cette semaine, Atem Litzavim Hayum Kolchem, tout le monde, vous êtes debout devant Kadosh Baruch Hu. Le Zohar, Kadosh, il explique que le jour que tout le monde est debout devant Kadosh Baruch Hu, c'est le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, l'humanité tout entière, le monde entier, tout le monde est debout devant HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que on est tous debout et on passe on fait une queue et on passe l'un après l'autre et on est supervisé par tous ces malachim qui sont là et Hachim qui regarde chacun qui passe, et c'est là que la décision elle est prise dans ce moment-là, qui va vivre, qui va mourir,
qui va être riche, qui va devenir pauvre, qui va être malade, qui va guérir, qui va se marier, qui va divorcer, et tout, qui va mourir dans un tremblement de terre, qui va faire un accident, qui va échapper à l'accident, qui ne va pas échapper à l'accident. Et la justice est se fait de cette manière. Donc, mes amis, on a besoin des avocats. On a besoin de beaucoup des avocats. Et les avocats, je pense, à part les tzadikim qu'on va pèleriner, ou les, pour vous, les femmes, toutes ces belles veilleuses que vous allumez à la mémoire des tzadikim que vous connaissez, à part les tzadikim, on a besoin aussi d'autres avocats. Lesquels? Les mitzvot. Les mitzvot qu'on fait. Parce que, comme la Mishnah dit, celui qui fait une mitzvah, il crée un ange, il crée un malach, il crée un avocat qui le protège. Et n'oubliez pas, à côté de ces malachim, à côté de ces avocats, là aussi, il y a beaucoup des avocats, il y a beaucoup des, malheureusement, des malachim qui vont naître aussi avec les fautes et les péchés qu'on a fait. Vous imaginez, il faut qu'il y ait une balance. D'un côté, vous avez des milliards de malachim qui sont nés avec les mitzvot qu'on a fait. D'autre côté, il y a des milliards d'anges qui sont habillés en noir, que eux, ils sont là pour critiquer, pour dire à Hachem, allez, ce monsieur-là, il a pas le droit à une bonne année. Et voilà, il y a un problème, il y a un grand problème, il se passe un grand problème. Alors on a besoin d'un soutien. Beaucoup des fois, on utilise le mot, j'ai besoin d'un soutien moral. On a besoin d'un soutien, vraiment. On est là devant Hachem, il y a nos avocats qui sont là, ceux qui sont nés par nos mitzvot, les shabbats, etc., les tfilil qu'on a mis, vous les femmes, les mikvé que vous faites, etc., etc. Et d'autre côté, il y a toutes les critiques qu'on a fait, toutes les fautes qu'on a fait, ils sont là. Et voilà, là, ils regardent l'autre. Alors là, il faut... Chut. S'il vous plaît, si vous pouvez éteindre vos téléphones. S'il vous plaît. Donc, à Bouddha, il y a ici quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'on a besoin vraiment des avocats importants qui peuvent nous aider, nous soutenir pendant ce jugement-là. C'est la raison, mes amis, que voyager et aller pèleriner les tzadikim et ajouter encore et encore, vous savez, on était un petit groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes, je ne me rappelle pas exactement combien on était, on a quitté Paris le vendredi matin pour faire un voyage non-stop, pendant, à part le Shabbat qu'on s'est reposé, mais quel repos, parce que le Shabbat aussi, on a beaucoup parlé du vrai Torah, et pendant, depuis samedi soir qu'on a quitté le Baal HaTanya, jusqu'à lundi soir, à 2h, 3h du matin, on n'a pas arrêté. On n'a fait que les tzadikim. Et je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Mais je veux que chacun écoute cette belle histoire que je n'ai pas encore racontée encore. C'est deux choses que j'ai vécues dans ce voyage-là. Voyager, tous ces tzadikim, vivre deux histoires qui m'ont donné beaucoup à réfléchir. La première, c'est qu'on devait aller pèleriner le Maharsha. Le Maharsha, c'est un grand commentaire de la Gemara. Le Maharsha, c'est un grand, grand, grand tzaddik. Vous savez qu'il a aidé pendant toute sa vie. Vous savez qui? Sa belle-mère. Toujours en critique, la belle-mère. Toujours la belle-mère, lorsqu'on dit la belle-mère, c'est la belle-mère. Et là, le Maharsha, sa belle-mère, c'est elle qu'elle a supporté, c'est elle qu'elle a financé, même sa yeshiva. Même sa yeshiva, avec ses élèves, c'est elle qu'elle a financé toute sa vie jusqu'à qu'elle est morte. Tellement que le Maharsha, il aimait sa belle-mère, jusqu'à qu'il s'est donné son nom de famille. Il se donnait son nom de famille sur le nom de sa belle-mère. Tellement qu'il a aimé ça. Tellement qu'il était reconnaissant à sa belle-mère. Il s'est dit que tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai pu être aujourd'hui, c'est grâce à ma belle-mère. Vous imaginez, mes amis, toute cette Torah qu'il a écrite, le Maharsha, vous ne pouvez pas imaginer. Lorsqu'on est rentré pour aller le pèleriner, le gardien, il nous prend, on le suivait,
vous savez, en Ukraine, il n'y a pas de lumière dans le cimetière. C'était tard dans la nuit. On ne voyait rien du tout. On avait des torches, des piles. Et on cherchait. Et à un moment donné, on tombe sur un grand tombeau. Mais c'est écrit là-bas, le tzaddik Rabbi Yiba. Un tzaddik qui s'appelle Rabbi Yiba. Alors on a demandé, c'est quoi ça? C'est le tombeau que vous avez cherché. C'est pas ça qu'on a cherché. Je vous donne la parole, on était déçus. Après j'ai dit, allez, il faut se réveiller de la déception. Il faut se réveiller. Peut-être ce tzaddik-là, on vient de le découvrir. Mais attends, mais on est venu pour le Maharsha? Oui, le Maharsha. Quel Maharsha? La déception totale, parce que ça fait 4 ans que je réclame aller pèleriner le Maharsha. Chaque année, je réclame aller pèleriner. Et chaque cette année, on a pris la décision, ils ont trouvé les lieux. Et voilà, on tombe devant un tombeau qui n'est pas celui du Maharsha. Et je vous donne la parole d'honneur, on avait de la peine, on ne savait pas quoi faire. Et moi, je commençais à réfléchir. Je voyais les visages des gens. On dirait que chacun a été déçu, on voulait retourner. Et après, j'ai commencé à regarder le tombeau. Et j'ai dit, mais attendez, mais ici, il y a un tzaddik qui est enterré. Et peut-être c'est ce tzaddik-là, c'est lui qui va nous aider à Rosh Hashanah. Peut-être c'est lui qui va vous aider à vous tous. Parce que j'ai prié pour vous, je vous donne la parole d'honneur. Là où j'ai été, cette semaine, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour tous ceux qui allaient être là ce soir, à ce chez eux, et tous ceux tous ceux que je connais, tous ceux à qui je pouvais penser, j'ai prié. Alors j'ai dit, peut-être on a besoin, ça dit qu'il n'est pas connu, peut-être on a besoin de lui, peut-être. Et on a commencé à prier sur cette tombe-là. Et soudainement, il y a un monsieur qui vient, écoutez bien, il y a un monsieur qui passe, il regarde en train de prier, il nous dit, mais Maharsha, Maharsha, il a commencé à dire le mot Maharsha. Tout de suite, moi, j'écris, je dis, oui, c'est où? C'est ici ou c'est pas ici? Il me dit, come, venez avec moi. Alors tous, on a commencé à le suivre, on a commencé tous à se dire, attends, on nous a dit, le monsieur qui nous a amenés, il s'est trompé. C'est pas le Maharsha, et d'où ce monsieur il sort? Qui c'est ce monsieur-là? On n'a rien compris. On le suit, et jusqu'à ce qu'on arrive devant le mausolée, du tzaddik Alav Shalom le Maharsha. J'ai pas cru mes yeux jusqu'à qu'on est rentré à l'intérieur et j'ai vu avec mes propres yeux son nom et ce qu'il a fait, ses écrits, et j'ai soupiré. J'ai dit, ah, vous pouvez pas imaginer, je vous donne la parole d'honneur, la joie qu'on avait ce soir là-bas. Pendant une heure, on a dansé, on a chanté et on a prié. Vous savez, on dirait qu'on n'était pas dans ce monde-là. On se croyait dans un autre monde. On se croyait dans un autre univers. On avait faim, on n'avait pas mangé toute la journée. La faim, on dirait qu'on avait mangé. La satisfaction, la joie, c'est une vie spirituelle. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on a vécu ces moments-là. C'est pas à décrire, c'était... Je ne peux pas vous dire... Le plaisir était un plaisir spirituel, je ne peux pas vous dire. C'est inimaginable. Mes amis, on a été sur plusieurs tzadikim, mais tout le monde, on était d'accord qu'on a senti dans le Maharsha ce qu'on n'a pas senti ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut savoir une chose. Bien sûr, chaque tzadik, on sent le besoin, qu'on a besoin de ce tzaddik-là. Il faut savoir une chose, je vous en prie, vous allez tous écouter ce que je vais vous dire. Ce n'est pas Hassu Shalom que le Baal HaTanya, ou le Baal Shem Tov, ou les autres tzaddiks qu'on a, ou le Magid de Mizritch, ou Rabbi Mishulam, Rabbi Zoshame Anpoul, et tous ces tzaddiks, ce n'est pas Hassu Shalom qui sont moins que Hassu Fihila. Chaque tzaddik il a sa valeur. Comme Rabbi Haïm Taïblomet, il a sa valeur. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a sa valeur. Comme Rabbi Shach, il a sa valeur. Comme chaque tzaddik, il a sa valeur. Chaque tzaddik et sa valeur, comme il est considéré chez HaKadosh Baruch Hu. Chaque tzaddik, il a sa soukha à Gan Eden. Chaque tzaddik et son Gan Eden. Chaque tzaddik, il a ses mondes. Chaque tzaddik, ils sont considérés chez HaKadosh Baruch Hu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vais vous dire. Pour arriver...
On dirait que, il faut savoir une chose, lorsqu'on va prier les tzadikim, et vous savez, dans l'état où on a été périné, par exemple demain, ceux qui vont partir au Maroc, là-bas c'est vraiment, c'est royal, c'est les beaux hôtels, c'est des bons repas, c'est la police escortée par la police, c'est des avions privés, c'est des cars climatisés, on fait un super voyage, voilà, un voyage, et la spiritualité, et aussi il y a le matériel, il y a des bons repas, ce qu'on veut, pour les piquants, il y a la salade piquante, il y a la daffina, toutes sortes de daffina, on s'éclate, voilà. Mais ce pèlerinage qu'on a fait ces 3 jours, c'était graya. On était assis dans les bus, il faisait chaud, on transpirait, il fallait s'arrêter quelque part pour manger, boire un café et un gâteau, un petit morceau de gâteau. Il n'y avait pas de repas, un ou deux repas. Un repas, si on a mangé, c'est un peu un et demi, voilà. C'est ce qu'on a mangé. À part le Shabbat, à Bahatan, on a bien mangé. Mais pendant les 3 jours, c'était vraiment. Mais le manger ne nous a pas manqué. Pourquoi? Parce que on découvre, lorsqu'on voit cette tzadikim, où ils habitent, où ils ont habité, où ils sont enterrés, tu te dis, mais attends, moi j'habite à Paris, moi j'ai ma maison. L'autre dit, mais moi j'ai ma villa. L'autre dit, moi j'ai mon avion privé. L'autre dit, moi j'ai. Et ce tzaddik, regardez où il est enterré. Il est enterré dans une campagne, loin de tout. Il n'y a qu'une rivière où il faisait son mikvé. Et pour lui, on est venu. On souffre pour lui, c'est que lui était tellement attaché à Kadosh, il était tellement déconnecté du matériel de ce monde-là, il était attaché à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on voit ça, le matériel où on vit à Paris, en Argentine, où on vit en Amérique, où il nous semble zéro rien. Pour admirer le spirituel, il faut vivre le spirituel. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour admirer le spirituel, il faut vivre le spirituel. Vivre dans le matériel, c'est très dur de vivre le spirituel. Très, très, très dur. Alors, ce que je voulais vous dire, il a fallu, on dirait que Hachem, pas Hachem, Hachem, le Satan, le mauvais penchant, le Satan, il a vu que le Shabbat qu'on a passé à Balatania, il a vu les voyages qu'on va faire. Alors, quelque part, le Satan, il a vu qu'on est commencé à s'élever. Je vous donne la parole d'honneur. On ne dormait pas, on ne mangeait pas. Le Satan, il veut nous embêter. Il veut quelque part nous perturber. Il veut casser, il veut couper cet attachement qu'on s'attache avant Rosh Hashanah avec les tzadikim. Parce qu'après tout, on est tous, tout ce groupe qu'on est parti, on prie pour vous, on prie pour toi en Israël, on prie pour les Juifs qui sont en Amérique, on prie pour la paix, on prie pour les Arabes, pour les Juifs, pour les chrétiens, on prie pour tout le monde. C'est des prières. On prie pour tout le monde. On prie pour tout le monde. On prie pour tout le monde qui a la paix, qui a l'abondance. Et bien sûr, à la fin, on termine, on veut Mashiach. On prie après, allez Hachem, pas le mérite de Tzadik, allez, c'est sûr, on va nous Mashiach. Donc, quelque part, et surtout, il y avait avec nous 2-3 Juifs. Hein? Surtout, rapportez, il y avait 2-3 Juifs qui étaient loin de la Torah. Ils ont commencé à découvrir et ils me l'ont dit. 2-3 fois, ils m'ont dit, Rabbi David, on n'a jamais passé un Shabbat comme ça. C'est ça, Shabbat? Rabbi David, mais on a raté notre vie. Rabbi David, on a raté, mais quel plaisir! On a nos avions, on a notre argent, on a nos maisons, on a de l'argent. Mais on n'a jamais, jamais senti ce goût-là. Ce goût-là était loin de nous. C'est un goût, ça passe. Et pourtant, les gens, ils ont le goût lorsqu'ils sont dans les sorties, dans les voyages, dans les voitures, dans les avions, dans les mangers. Et ceux-là, ils n'ont ni repas, ni manger, ni avion, ni voiture, ni rien du tout. Et voilà qu'est-ce qu'ils découvrent. Ils découvrent une autre vie. Alors bien sûr, le Satan, ça ne lui plaît pas. Le Satan, il voit que des gens, et ça, et le Satan, que moi je veux venir sur ce voyage,
et je vais parler, et je vais parler du fond du cœur, et je vais dire ce que j'ai senti, et je vais vous emballer avec moi, je vais vous donner la émouna, et je vais prier pour vous. Alors Satan, ça le dérange. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous savez quoi? Qui peut me dire? Il a voulu nous choquer. Comment il a voulu nous choquer? Aller pèleriner le Maharsha, arriver soi-disant chez le Maharsha, et c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Waouh, quel pèlerinage! Tout ce voyage qu'on a fait, et après on va commencer à bâcler tout. On va commencer à parler du mal peut-être. Et surtout, on va arriver à parler du mal devant un tzaddik qu'il est inconnu. Et ce tzaddik qui pouvait être peut-être un grand avocat, pour nous, on est en train de le critiquer. Et le Satan, il va aller chez Hachem. Hachem, c'est cela que les représentants du clan d'Israël, c'est cela qui représente les Juifs, c'est cela qui sont en train de prier pour eux. Regardez comment ils sont en train de critiquer ce tzaddik, ils sont choqués, au lieu qu'ils disent, alors, le Maharsha n'est pas là, alors il n'est pas là, c'est pas grave, on prie là. Mais bon, Hachem, tout de suite, on a rectifié notre pensée, on a tout de suite rectifié nos paroles, et on s'est identité avec lui. On s'est tout de suite dit, hé, stop! C'est lui! Alors, si on est venu pour le Maharsha, on a fait des heures et des heures pour le peine du Maharsha, il n'est pas là, ça suffit. On est devant ce tzaddik là, on va être là. Allez, on va s'éclater, on va chanter, on va prier. Et Hachem, il veut, peut-être c'est lui notre avocat. Et lorsque Kadosh Baruch Hu, il a vu que on n'a pas suivi l'idée du Satan, c'est là qu'il nous a envoyé un messager, un chalia, qui nous a dit, ben vous êtes dans la bonne direction, c'est là, venez, c'est pas ici, mais c'est là. Donc c'est là-bas où on a senti une grande joie, parce qu'on a surmonté une idée qui pouvait perturber notre émouna à Kadosh Baruch. Mes amis, celle-là, c'est la première histoire de l'Aïmouna des Tzadikim. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer comment on était pendant une heure hors de ce monde-là. Pendant une heure, on chantait, on dansait. Et bien sûr, 100% tous les Tzadikim qu'on a périnés, ils étaient avec nous là-bas. Parce que quelque part, ils avaient peur qu'on allait critiquer, on allait tomber dans le piège en critiquant ce Satan, en critiquant ce Tzadik qu'il est inconnu, croyant que c'était le Maharsha, c'est pas le Maharsha. Il faut savoir une chose, mes amis, que je vais vous dire maintenant. C'est quoi notre problème? Notre problème à nous, c'est que le Satan, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la pénitence. Elul, c'est la préparation de la pénitence. Elul, c'est la préparation de la pénitence. C'est ça la pénitence. La pénitence, c'est la teshuvah. La teshuvah, ça veut dire réparer nos fautes de toute l'année. Le plus important chez le Satan, lorsqu'il nous voit se préparer, lorsqu'il voit qu'on fait la charité, la tzedaka, lorsqu'il voit que vraiment on se prépare, on fait des avances pour Hachem, on veut changer, on commence à respecter le Shabbat, on commence à aller au mikveh, on commence à mettre des tfilin, on commence à s'appliquer, à être un peu plus dans la Torah. Le Satan, ça ne lui plaît pas. Quoi? Ce Parisien, il devient un bon juif? Et pourquoi pas? Pourquoi on n'était pas des bons juifs en Égypte? Où est le problème? Mais ça ne lui plaît pas. Parce qu'il voit qu'on commence à fréquenter de moins en moins les endroits qu'on fréquentait avant. Ça ne lui plaît pas. Le Satan, il veut nous avoir avec des doutes. Il veut nous avoir avec des doutes, surtout le mois avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah. On a été impressionnés, mes amis, le lundi soir, à 1h du matin, lorsqu'on a périné le dernier tzaddik, qui s'appelle, on le nomme Rabbi Abraham Amalar, l'ange. On l'appelle l'ange, qui était le fils de Magid Meizritch, qui était l'élève de Baal Shem Tov, qui était un grand, grand, grand tzaddik. On a été impressionnés ce soir là-bas. Je vous donne ma parole d'honneur. Moi, je suis très peureux des cafards. Je suis un grand peureux des araignées. Les cafards et les araignées, c'est mon combat.
ou eux ou moi. Ça veut dire que si je rentre dans une maison et je vois un cafard, c'est fini. Ou c'est lui qui meurt, ou c'est moi qui vais mourir de peur. Non, il faut. Beaucoup des fois, je me dis, je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire. C'est une honte pour moi de vous dire ce que je vais vous dire. Beaucoup des fois, je me dis, David, tu sais, des choses que tu as peur, c'est de ça ils vont te faire peur dans l'autre monde si tu n'es pas un bon juif. Si tu fautes, c'est des choses qui te font peur. Et beaucoup de fois, je dis, où je vais me sauver? C'est Hasbi Halila que Dieu préserve. Je vais être accusé. On ne va pas m'acquitter après 120 ans dans l'autre monde. Où je vais aller? L'obscurité. On a peur de l'obscurité. Et on va avoir des araignées. Les choses qui me font peur, c'est ça? C'est avec les choses qui me font peur qu'ils vont me faire peur. Ils vont me punir. Où je vais aller? Et je sais que dans cette chambre-là, il n'y avait pas de lumière. Et je me rappelle, chaque année qu'on va là-bas, il y a beaucoup des araignées. Je vous donne la parole d'honneur. Mais le fait qu'on ait 20 personnes dans une chambre, et on a les yeux, on voit, on fait attention. Donc, chacun fait attention avec l'autre. Et surtout, moi, toujours, je dis à quelqu'un, si tu vois une araignée qui descend, tu fais attention, tu me l'enlèves. Et ce n'est pas des petites araignées, c'est des grosses araignées. Ça fait peur, hein. Et là, on était dans cette chambre-là, seul, avec le groupe, et le tombeau, il est large, ça veut dire qu'on se serrait contre le mur, on était contre le mur et le tombeau. Et où sont les cafards, où sont les araignées, on ne les voit pas. Et dans ma tête, je dis, David, et chaque fois, à un moment donné, j'ai senti quelque chose, c'est pareil, des imaginations, et je me suis donné une gifle. J'ai cru que c'était une araignée, c'était rien du tout, c'était, je me suis frappé pour rien. Moi, c'est pas grave. C'était. Et à un moment donné, j'ai dit, David, si tu te concentres pas dans la prière, alors tu vas penser qu'aux araignées. Allez, oublie les araignées, tu es venu prier. Et bien, maintenant, on a commencé à prier, je vous donne la parole d'honneur, je me trouvais encore une fois à Gan Eden. On dirait que j'étais à Gan Eden. Fini la peur. Maintenant, on l'a quitté. Je voulais le cadenas de cette chambre, de ce mausolée-là. Écoutez bien ça. Je voulais le cadenas. Ce cadenas, ce mausolée avec qu'on ferme cette chambre-là que pour les pèlerins qui viennent pèleriner. J'ai dit à César, ceux qui nous accompagnaient, je t'en prie, tu demandes à cette femme-là s'il veut vendre le cadenas. Parce qu'on a déjà acheté le cadenas du Maharsha, maintenant je vais acheter ce cadenas, ça porte bonheur. On va chez la femme. C'est une femme, une vieille femme, elle n'est pas juive. C'est elle qui surveille dans la campagne. Il faut souffrir pour aller pèleriner ce tzaddik. Et il lui propose l'argent. Il augmente l'argent. Elle ne veut rien savoir. Et lui a cru qu'elle veut plus. Et à un moment donné, il lui dit, arrête d'ajouter de l'argent. Je ne veux pas le vendre. Ce n'est pas une juive. C'est une non-juive. C'est une vieille femme. Ce n'est pas une juive. C'est une non-juive. Mais regardez la foi qu'elle a, cette femme-là. Et dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vende ce qui est de plus cher chez moi? Le plaisir que j'ai, ça fait 30 ans que j'ouvre cette chambre, je touche ce cadenas-là. Mon plaisir, c'est de voir les gens venir pèleriner. Et ce cadenas-là, je le connais comme mes doigts. Et j'ai cette clé dans mes mains. Vous voulez que je vende ma émouna, ma foi, dans ce tzaddik pour de l'argent? Mais qu'est-ce que je vais faire avec de l'argent par rapport à ce que je sens? J'ai reçu une gifle. Tous les juifs, tout le groupe qui était avec nous, on a reçu une gifle. On est venu, on dirait qu'on est venu recevoir une leçon chez une vieille femme qui n'est pas juive. Une femme qui n'est pas juive qui donne une leçon de foi à un juif et à un rabbin. Comprenez, c'est quoi ça? Hein? C'est de la folie ça. Eh bien, j'ai dit, David, ça vaut la peine que tu viennes là que pour écouter ça. Allez, renforce-toi. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire, et je vous pose une question. Donc, vous voyez, avec ces forces qu'on a, avec ces forces-là avec quoi on est venu de l'Ukraine, ben, Ezrat Hashem, avec ça, je vais partir au Maroc. Je vous donne la parole d'honneur, on n'a pas beaucoup dormi. Pendant une semaine, on a dormi quelques heures, c'est tout.
Mais Baruch Hashem, je me sens bien. Et surtout, le fait que je, sachant qu'on a trois nuits, longues nuits, au Maroc, avec mon grand-père, Abraham Pinto, ça ne peut que me donner encore plus de force pour bien prier, pour bien me préparer pour Shana Kippour. Je vous pose une question. Mais je veux que chacun, il essaye de répondre à ma question dans sa tête. Alors, écoutez bien. Cette fête dans la Kabbalah, on l'appelle le jour le plus long. Le jour de Rosh Hashanah, on l'appelle le jour le plus long. Yama, Yoma, Arichta, en Targum. Le jour le plus long. Alors que moi, je sais que le jour de Rosh Hashanah, ces deux jours de Rosh Hashanah, ils sont pas longs. Combien? Les longues journées, c'est les jours du mois d'août. Là, le Shabbat, il sera 11h, à 11h30. Ça, c'est le jour le plus long. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est quelques heures, peut-être. Ça commence à 7h du matin et ça se termine à 7h du soir, 12h, alors qu'en été, c'est le jour le plus long. En été, il y a les 17, 18, 19 heures. Alors, je ne comprends pas pourquoi on appelle Rosh Hashanah le jour le plus long. Dans la Kabbalah, on l'appelle le jour le plus long. C'est une question que je me suis posée. Et je me suis posé une autre question. Écoutez bien. Si Dieu veut, vous allez partir à la synagogue le jour de Rosh Hashanah et vous allez entendre le rabbin qui va sonner le shofar. Et quelle est la bracha qu'il va faire? Il va dire « Baruch ata Hashem, bini sois-tu Hashem, qui nous a sanctifiés avec les mitzvot, lishmua akol shofar ». Ça veut dire « On va écouter le shofar ». Ça veut dire « On va écouter le shofar ». La bracha, c'est, je fais une bracha pour, maintenant, on va écouter. La bracha, c'est une mitzvah d'écouter. La question se pose, pourquoi ce monsieur qu'il sonne, pourquoi il dit, je fais la bracha, il fait la bracha, la bénédiction, et il va dire, les tkoua shofar. Je fais la tkia. La tkia, c'est tout. Alors maintenant, c'est quoi la mitzvah? C'est de sonner ou d'écouter? C'est les deux. Sonnez, écoutez. Le rabbin, il sonne et nous, on écoute. Et or, lorsqu'on fait la bracha, on dit la bracha que tous vont écouter. Attends, mais ce monsieur-là qui est en train de sonner, il sonne. Alors, pourquoi la bracha, il ne sait pas sonner? La deuxième question. La troisième question que tout le monde pose. On est tous là ce soir. Vous savez que ce soir, il y a un grand match de football. Hein? Et là, ce soir, on joue, nous, c'est le football. Ben, on joue. Je vous pose une question. Pour ceux qui, ça c'est pas moi qui l'a posé, c'est Rav Haïkin qui l'a posé, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Elle dit, je suis un peu étonné pour ces gens qui aiment le football. Ils aiment tellement le ballon et ils lui donnent des coups de pied. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu l'embrasses, ou pas? Lorsque tu es quelqu'un, tu l'embrasses, tu le caresses, mais tu ne le frappes pas. Alors, c'est un drôle de plaisir. Eh bien, le Stade de France a fait son plein, et nous aussi, on a fait le plein. Et Akash Baruch, il est fier de vous, et moi aussi, je suis fier de vous, et vous avez fait kavod, pas David Pinto, mais vous avez fait kavod à Akash Baruch. Vous avez fait kavod à Hashem, pas à David Pinto, à Akash Baruch, vous avez fait kavod. Ah, maintenant, une question que tout le monde pose comme question. La question que, après je vous raconte une belle histoire sur mon père. La question que tout le monde pose, c'est que le jour, comment ça s'appelle, le mois d'Eloul, c'est le mois de la préparation pour Rosh Hashanah. Comme une femme qui va se marier, elle ne se marie pas le jour de son mariage, sans préparation. Ce n'est pas le jour de son mariage qu'elle commence à chercher un traiteur et la salle et le rabbin et tout. Non. Et elle va faire sa robe de mariage. Non. Un mois, deux mois, trois mois à l'avance. Bon, le bon Dieu nous a donné. Je vous pose une question. Combien on a d'avance pour préparer, hein? Dites-moi, combien des jours on a besoin pour se préparer pour Rosh Hashanah? On dit un mois, c'est ça ou pas? Eh bien, vous vous trompez. On a besoin d'un an. On se prépare à Rosh Hashanah, sur Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah dernier. Vous avez compris?
Les commerçants, lorsqu'ils commencent à préparer les commandes, ils préparent quand? Un an à l'avance, ou pas? Hein, ou pas? On n'a pas vu quelqu'un qui commence 6 mois à l'avance. Il y a même ceux qui préparent 18 mois à l'avance la collection, les collections. J'étais au Canada, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de la Chine, et je lui dis, mais ça va, tout va bien? Il dit, non, ben, je prépare la collection. De laquelle? La collection de l'été prochain. De l'été prochain. Je dis, quoi, de l'été prochain? De maintenant, l'été prochain? Et quelle couleur? Ben, c'est comme ça. De là, vous comprenez qu'on se prépare pour Rosh Hashanah, de pur Rosh Hashanah de l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, si Dieu veut, comment on prépare Rosh Hashanah de cette année? On prépare Rosh Hashanah de l'année prochaine, déjà à partir de maintenant. À partir de maintenant. Et on gagne deux choses. Vous savez lesquelles? On gagne ce Rosh Hashanah, et on gagne quoi encore? Rosh Hashanah prochain. On a gagné deux choses. Alors tout le monde se pose une question. Quelle est la raison pourquoi on ne sent pas le mois d'Eloul? Le mois d'Eloul, je ne sais pas, on ne le sent pas. Bon, le matin, on se lève le matin, on va écouter les slichot, on écoute les slichot, pendant une heure, on est dans l'ambiance de Rosh Hashanah, et dès qu'on sort de la synagogue, c'est l'ambiance parisienne qui commence. Finito, on oublie l'ambiance de Rosh Hashanah. Quelle est la raison? Et voilà, Rosh Hashanah, il arrive, et on demande, « Eh monsieur, comment c'était Rosh Hashanah ?» Eh bien, le Hazan était super. Le contraire, on va parler, on va être plutôt excité lorsqu'on entend « Yederashim, Nehelashim » Lorsqu'on commence à entendre l'air de Rosh Hashanah, on commence à pleurer. « Ah, ça me rappelle Rosh Hashanah de l'année dernière. Ah, ça me rappelle mon père qui est mort, qui fait « Ah !» Attends, ça ne te rappelle pas le jour du jugement? C'est l'air qui te rappelle les souvenirs de ta famille? Ça te rappelle ton père, ta mère, ta sœur, tes frères? Ça te rappelle les souvenirs de l'année dernière? Ton déménagement? Alors l'air de Rosh Hashanah, il te rappelle des souvenirs? Ça ne te rappelle pas? C'est Yom HaDin? C'est le jour du jugement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette année, j'étais à Londres, chez Michael Abadi, Mobar Labaït. Je reçois une femme, qu'elle rentre, et qu'elle me dit, merci Rabbi David. Je commence à respecter Shabbat. Et mon mari, Baruch Hashem, lui aussi, je ne l'ai pas reconnu. Vous avez changé ma vie. Je me sens bien. Je vous donne la parole d'honneur, je ne me rappelle pas d'elle. Je lui dis, madame, vous étiez malade. Elle me dit, non, jamais j'étais malade. En général, qui change? Celui qui est malade, je lui dis, alors change. Alors après, il vient dire, Baruch Hashem. Mais alors, elle, celle-là, était ni malade ni rien. Je lui dis, comment? Elle m'a dit, non, parce que lorsque vous avez fait le cours l'année dernière chez M. Abadi, et vous avez parlé, et ça nous a donné à réfléchir. Écoutez, je vous en prie, écoutez ça. Je dis, où est ton mari? Il me dit, mon mari, ben, il veut vous parler seul, lui aussi, il a à vous dire. Je dis, d'accord. Je lui fais une braquerie, elle sort, et son mari rentre. Alors j'ai cru que son mari il allait me crier. Ouais, à cause de toi, on n'allume pas la télévision Shabbat, à cause de toi, j'ai l'habitude de ça. J'ai dit, oh, celui-là, il va me gronder. Celui-là, il va tomber sur moi. Bon, je me suis dit, bon, David, il faut l'affronter, qu'est-ce qui va se passer? Il rentre, il s'assoit, il fait un grand sourire. Il me dit, je veux, moi aussi, à mon tour, vous dire merci. Ouf! J'ai soupiré de joie. Et j'ai commencé à réfléchir. Le même jour, j'ai reçu les mêmes personnes. Je vous en prie, écoutez ça. Les mêmes personnes que j'ai reçues l'année dernière,
Je les ai reçus cette année. Pourquoi j'ai réussi avec ce couple et je n'ai pas réussi à changer les autres? Voilà, je vous pose cette question. Maintenant, parmi vous tous ici ce soir, il se peut que quelqu'un parmi vous, il va sortir de là, il va dire, tiens, je commence à mettre un taillis de katane. Tiens, je commence à mettre une kippa. Tiens, je commence à manger kasher. Tiens, ce Rabbi David, avec tout ce qu'il nous a raconté sur cette tzadikim, allez, nous aussi, on va essayer de goûter ce que lui, il a goûté. Il a dit qu'il a goûté dans le désert, ce qu'il n'a pas goûté dans les plus belles hôtels, etc. On va essayer. Je vous pose une question. Pourquoi je vais réussir sur un et pas sur tout le monde? Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez c'est quoi la raison? Parce que il faut qu'on arrive ce soir à être tous David Pinto. Il faut qu'on arrive, et David Pinto, il va arriver à être ce soir, lui et HaKadosh Baruch Hu, et la Torah. Alors on va arriver tous ensemble à se mélanger les idées, et David Pinto il va se noyer dans la foule, et tous on va devenir liés avec Hachem et avec la Torah. Mes amis, ça c'est un travail collectif. Mais pour arriver à la réussite de ce travail collectif, il faut bien écouter. Écoucha, on dit en espagnol. Il faut bien écouter. Écouter, réfléchir. Écouter, réfléchir et dire, bon, le temps il est venu, ça suffit, il faut que je change. Lorsqu'on écoute, mais lorsqu'on écoute avec la montre, mais lorsqu'on écoute en pensant ailleurs, lorsqu'on écoute, qu'est-ce que je vais manger demain, quel restaurant je vais aller, qu'est-ce que je vais faire demain, alors, tu écoutes et tu écoutes. Et ce que tu vas retenir le plus, c'est ce que tu as pensé que je vais manger ce soir. C'est ce que tu vas retenir. Tu ne vas pas retenir ce que David Pinto l'a dit. Tu vas te retenir, qu'est-ce que je vais faire demain? Quel film je vais voir demain? Voilà ce que je vais retenir. La bouteille, ça veut dire, au moment que HaKadosh Baruch Hu était en train de parler au Bnei Israël, lorsqu'il y avait cette voix qui sortait, on ne sait pas d'où, d'en bas, d'en haut, à gauche, à droite, c'est une voix qui sortait, on ne savait pas d'où. On ne savait pas d'où Hachem parlait avec les Juifs. Du ciel, de la terre, à gauche, du nord, de l'est, l'est, ouest. Une voix qui remplissait le monde entier. La Torah dit, Vayir'o et Takolot. Ils ont vu les voix. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut voir la voix? On peut entendre la voix. Là, vous êtes en train d'entendre ma voix. Est-ce que vous voyez ma voix? Non, vous voyez ceux qui parlent. Mais ma voix, vous ne la voyez pas. Vous voyez uniquement celui qui parle. Mais mes enfants, si on peut arriver à voir la voix, comment on peut arriver à voir la voix? Lorsqu'on écoute bien, lorsqu'on écoute très très bien, lorsqu'on écoute, au moment qu'on écoute, je me vois comment je vais changer. Je me vois, David Pinto, comment je vais changer. C'est ça le mot vaillé haut et à colotte. Ils ont vu les voix. Ils sont arrivés à ce niveau-là qu'ils ont vu les voix. Comment ils ont vu les voix? Eh bien, ils se sont vus eux-mêmes. Ils entendent la voix de Dieu. Eh bien, ils se voient, ils voient la vie qu'ils vont mener en correspondant avec cette voix qu'ils sont. Ils se sont vus accomplir la voix qu'ils sont en train d'écouter. C'est ça le mot vaillé haut et à colotte. C'est ça le mot, ils ont vu les voix. Si Rabotai, lorsqu'on va écouter un cours, on voit beaucoup de gens qui changent. Il y a des gens qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que le cours, il les a fait changer. Parce que pendant qu'ils écoutaient, eh bien, ils rêvaient, ils pensaient, eh bien, je vais changer. Alors, ils sont en train de se voir eux-mêmes vivre la voix qu'ils sont en train d'écouter, ces choses qu'ils sont en train d'écouter. Voilà, Rabotai. C'est facile, tellement facile. Et nous, on est en train d'essayer d'être très intelligent pour comprendre les choses. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut bien comprendre ce que je vais vous dire. Pour sentir Rosh Hashanah,
Il faut préparation. Vous savez, il y a à Londres, il y avait un mariage qui s'est passé à Londres. Et voilà, le Hatan est arrivé en retard. Beaucoup, beaucoup. Alors, au général, c'est la Kala qui arrive en retard. Et là, c'est le Hatan qui arrive en retard. Alors, la Kala, elle était Msmouma. Msmouma était en colère, en colère, en colère. Ici, à Buffo, cette belle synagogue où il y a toujours des mariages, les Anara. Je vous souhaite à vous tous un bon mazel ceux qui ne sont pas mariés. Vous savez très bien que c'est inimaginable. La Kala, elle arrive. Imaginez-vous ici. Ici, on dit dadan, 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 dadan. Voilà, je ne veux pas commencer à vous chanter. Alors voilà, toujours le Hatan, il vient, tout le monde qui le regarde, il est accompagné. Et lui, il est debout dans cette place-là où je suis, excité, il transpire, il regarde, il regarde. Et à un moment donné, elle arrive, pouf, et même si elle est arrivée en retard, elle est arrivée. Le problème est, c'est le contraire. La Kala à son portable ne marche pas. Elle arrive. Elle est arrivée en retard, comme d'habitude. Et voilà, on lui dit, Régine, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'est pas là. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Et où il est, ce fou-là? Il est toujours encore, il me fait ça. Il n'est pas là. Mais appelez-le. Alors que je fais, je retourne. Non, non, tu ne retournes pas, tu restes. Parce que c'est le sort, il ne va plus retourner. Alors, on va la faire attendre. Bah, après, le rabbin, il dit, écoutez, on est en retard. Bah. Et à un moment donné, le Hatan, il vient une heure là, en retard. Ah ben, bien sûr, je ne sais pas qui va recevoir. Mais peut-être sa femme, sa future femme, elle va lui régler son compte après le mariage, pas tout de suite. Mais elle va le voir avec un air, un sourire, un faux sourire. Bon, il va lui expliquer, il va lui dire mille trucs. Bon, elle va accepter, mais c'est une chose qu'elle ne va jamais oublier. Elle ne va jamais oublier. Ben, cette même histoire s'est passée à Londres. Mais la différence est, c'est la Kala, elle voulait plus rester dans la synagogue. Elle est partie. Elle est partie. Et le Hatan, il arrive. Et c'est là qu'il est parti. Il a cherché. Il a emmené. Pourquoi il est venu en retard? Ben pour aller jouer la course des chevaux. Est-ce quelle explication il va donner à sa femme? Je vous en prie. Réfléchissez un peu. Quelle excuse il va donner à sa femme? Oh, wow, allez, ça fait, darba, ça va être Gehinnam, ça va être Tisha B'Av pour lui, c'est fini, c'est pas possible, mais quoi? Quoi? Tu vas? Mais alors que de mon mariage, c'est comme ça qu'on va construire notre foyer, ah ben je me marie pas avec toi, ah ben ils ne sont pas mariés. Parce que c'est comme ça qu'on commence un mariage, ça veut dire que les chevaux, c'est plus que moi. Ça veut dire que moi, je suis un cheval. Hein? Ça veut dire un ahmara, ça fait. Ça fait brala, comme on dit en arabe. C'est quoi ça? Mes amis, je m'excuse de vous dire cette phrase. Rosh Hashanah, c'est le mariage. C'est l'anniversaire. C'est à Rosh Hashanah que nous sommes, que l'homme, Adam, est né. Rosh Hashanah, c'est le jour. C'est l'anniversaire de l'humanité, c'est l'anniversaire du monde. Hachem, il est super heureux. Akadosh Baruch Hu était malheureux, le bon Dieu était malheureux avant la création du monde. Il était seul, mais il n'est plus seul. Il a créé un monde, il a créé un royaume, il a créé un être humain. Cet être humain, il va le couronner. Cet être humain, il va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, béni sois-tu Dieu, le roi de l'univers. Ah, ça vaut la peine de créer Adam et pour qu'il couronne chaque jour le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit dans sa bouche. C'est super, c'est super. Vous savez, Rabotai, qu'est-ce qu'il dit à Baruch Shem Tov? Une fois, Baruch Shem Tov, il a dit une phrase terrible. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit Kol Israël ve'amer kolam tzadikim. Ton peuple, ils sont des tzadikim. Il dit, Baruch Shem Tov, une phrase extraordinaire. Il est rentré dans mon corps, cette phrase qu'il dit. Il dit, les juifs,
combien ils souffrent pour avoir un peu d'argent. Et tout est cher. Rien n'est gratuit. Pour être juif, il faut être riche. C'est pas facile d'être juif. Il faut manger la cacheroute, l'école juive, la tzedaka, la synagogue, les dons, acheter une paire de filine, les brit mila, Shabbat, les frais du Shabbat, et les frais d'être juif. Celui qui est juif, il faut qu'il paye une taxe. Il faut de l'argent. Je vous donne la parole de là, c'est dur d'être juif. Et en plus, on est critiqué, on nous dit sale juif. Ride on, on marche avec la tête haute. Et alors que, quelqu'un qui m'a dit, ça m'arrive beaucoup des fois, on me le dit vraiment. Vous savez, je ne sais pas où j'étais, je voyage tellement beaucoup, je crois que je ne me rappelle pas où ça s'est passé cette histoire. Il y a quelqu'un qui est venu, je vous donne la parole d'honneur, on prenait la queue pour monter dans l'avion, et bon, nous on devait monter, on devait monter les premiers. Et quelqu'un, il m'arrête, il me dit, non, la queue. Je crois que je lui dis, non. Je lui dis, bon. Alors, je n'ai pas répondu. Et j'ai fait un détour, et j'ai montré mon billet. Ah, il m'a dit, tu peux passer. Il me voit de loin passer, et je me suis retourné vers lui, on s'est vu. Lorsqu'il a marché, il a dit, sale juif. J'ai pas répondu, bien sûr, on répond pas. Et tu vas répondre, pourquoi tu réponds? Tu veux dire quoi? Je vais pas me mettre à son niveau. Ça a dû le toucher quelque part. Ma présence, elle le touche. Lorsqu'on arrive. Ah oui, c'était à New York. Voilà. C'était à New York. Lorsqu'on arrive, écoutez bien ça. Chaque fois que je vais à New York, c'est la police qui vient m'accueillir dans l'avion. Et donc, on attend qu'on m'appelle pour que je sors. Mais, à un moment donné, on ne nous a pas appelé, j'avance pour sortir, et le temps que j'ai attendu et le temps que j'ai décidé de sortir, je rencontre le monsieur qui l'a passé. Il me regarde encore d'un air méchant. Bon, je le regarde, et je sors, et c'est la police qui m'accueille, et je le regarde. Il a tout de suite abaissé la tête. Il a peur que je dise à la police, arrêtez-le. Et je l'ai bien regardé. Je lui dis, je suis sale juif. Mais il dit, non. Je t'en prie, non. Il tremblait. Bien sûr, on passe par la voie diplomatique, et chaque fois je le regarde. Pourquoi on est sale juif? Eh bien, c'est le prix qu'on doit payer. Pour être juif, c'est un prix aussi. Il faut accepter. Il faut savoir accepter. Mais pour accepter, il faut être proche d'Hachem. Et dire à Binu Yona, c'est quoi le mot Teshuvah? C'est quoi pénitence? C'est quoi teshuva? Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Yona? La shuv mehatato. Faire un retour de la faute. Faire un retour. La shuv, ça veut dire, je promets la shuv, c'est faire un retour. La shuv, c'est faire un retour. C'est quoi? Un retour avant que j'ai fauté. Une fois que j'ai fauté, ça veut dire, si j'explique Rabbi Yona, c'est une fois que j'ai fauté, je suis derrière. Hachem est derrière moi, et moi je suis devant. Et Hachem est derrière moi. La chou, mais Hatatou, ça dit, il faut que je retourne vers Dieu, et je mets Dieu en avant, et moi derrière lui. Mais lorsqu'on faute, c'est Hachem qui est derrière, et c'est moi qui est devant. C'est ça le caveau de HaKadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on donne l'honneur à Hachem. C'est ça la chou, mais Hatatou. Prendre décision, et de faire un marche arrière, retourner vers où? Eh bien, retourner vers Hachem. Et je lui dis, Hachem, s'il te plaît, Bechavod, à toi de passer devant moi, et moi derrière toi. C'est ça la chou, mehatato. Comme ça, j'explique à Binu Yona. Et mes amis, pour arriver
à ce niveau-là de la chouve, de retourner vers Hachem, il faut vraiment une préparation pendant ce mois-là. Mais il y a un problème, on ne sent rien du tout le mois d'Eloul. On ne sent rien du tout. C'est quoi? Alors pourquoi? Eh bien la raison, elle est parce que Bémet, on a un problème. HaKadosh Baruch Hu, il est à côté. Dirisho Hachem et Matsu. Appelle-le tant qu'il est à côté de toi. Et on n'appelle pas. On a un problème, on n'appelle pas. On reste froid, on reste glacé. Alors, la question est, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit demain. On a rendez-vous, on dit demain. Demain, je vais. Beaucoup de fois, je dis à quelqu'un, allez, viens, on va étudier. Rabbi David, je vais commencer demain. Et le lendemain, je l'appelle. Rabbi David, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. On peut reporter ça à demain. On reporte à demain. C'est pas Hassi Vichalon qu'on est derrière Charim. C'est pas qu'on n'a pas les mona en Dieu. Non, Hassi Vichalon, on a les mona en Dieu. Le matin, on va, pendant le mois des loups, on entend le chauffard. On est impressionné par le chauffard. On fait une grande échouvard. Mais dès qu'on sort, on se déconnecte du chauffard. On se déconnecte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit, on a le temps. Demain, venir chez Tehot. Encore demain. Alors, on est chaud pendant la prière du matin. Et dès qu'on sort de la synagogue, on perd. C'est la raison, mes amis, pourquoi malheureusement, et beaucoup des fois, je m'excuse de vous le dire, il y a une femme aujourd'hui, elle sort avec quelqu'un, et il veut se marier, mais ce quelqu'un, il est religieux, il dit à sa femme, écoute, je ne veux pas te rendre malheureuse, alors si tu veux qu'on se marie, il faut que tu fais Shabbat. Elle lui dit, je te promets, on se marie et je fais Shabbat. Alors elle lui dit, et quelle preuve j'ai que lorsqu'on se marie, tu vas faire Shabbat? Il lui dit, quoi, tu ne fais pas confiance? Voilà la réponse. Quoi, tu ne fais pas confiance? Mais je t'ai promis que je vais faire le mikvé. Alors, je te promets que je vais faire Shabbat. Et c'est vrai, il a raison, le monsieur. Quelle garantie, quelle assurance il a? Alors, moi, je lui ai dit, madame, mais qu'est-ce que tu perds de commencer à faire Shabbat maintenant? Pourquoi tu veux faire Shabbat l'année prochaine, le mois d'août? Attends le mois d'août. Et entre toi, Rosh Hashanah va venir, Rosh Hashanah lui dit, et Rosh Hashanah, tu fais tes Shabbat pour ne pas fauter, pour respecter le Shabbat. Comment tu vas faire? Jusqu'à l'année prochaine. Un an. Mais rapide, David, je suis obligé, il faut que je travaille pour gagner un peu d'argent, pour préparer mon mariage. Je lui dis, quel mariage. Mais toi, tu es en train de faire, qui va te quitter? Il n'y aura ni mariage, ni rien du tout. Tout ça pour quelques pièces d'euros que tu gagnes le jour de travail Shabbat. Ça suffit. Et elle a compris, je vous donne la parole d'honneur. Elle dit, bon, je vais faire un effort, je vais arrêter. C'est tout. Il faut prendre des décisions maintenant, ça y est, ça suffit. Il faut, c'est pas jusqu'à demain, il faut pas reporter à demain. Jamais. Un rendez-vous avec le banquier, on reporte le rendez-vous. Wow. Jamais un rendez-vous avec le banquier. Celui qui cherche une maison, il trouve une maison après un an qu'il cherche. Et on l'appelle, il dit, bon, ça vous dérange pendant 2 semaines. Quelle est une semaine? Tu prends pas ta maison que tu cherches, tu la perds. C'est tout. C'est le problème. Mais on a compris, Rabotaï, pourquoi on n'est pas chaud tout de suite. C'est la raison pourquoi vraiment on doit faire des efforts. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller pèleriner de Tzadikim et faire vraiment se connecter avec Akadosh Baruch Hu pendant la prière. Comme ça, Ezrat Hashem, on commence de maintenant, c'est Teshuvah, de maintenant, sans la reporter. C'est comme ça, mes amis. Mais on comprend pourquoi à Rosh Hashanah. Je vous pose une question. Qui sonne à Rosh Hashanah? Le rabbin ou Dieu? Ou Hachem? Répondez-moi. Le rabbin ou Hachem? Et qui vous l'a dit? Qui sonne? Lorsqu'on sonne le chauffard, vous voyez le rabbin ici, il prend le chauffard, il sonne le chauffard. Qui sonne? Le rabbin ou c'est Hachem qui sonne? Hein, Richard? Tu sais pas. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu ou Hachem? Hachem ou le rabbin? Hein? Les deux. Ah ben écoutez, vous les femmes, vous avez gagné. C'est Hachem qui sonne. C'est pour ça que le rabbin ne dit pas l'itkoa shofar. Il dit l'ishmoa. Tous ils écoutent, même lui qui l'écoute. Le sang, il descend de chez Akadosh Baruch Hu, il traverse le shofar. Et c'est ça qui fait peur, le Satan.
C'est pas le chauffard, parce que le Satan, il n'a pas peur du hazan, du rabbi qui sonne. Il a peur, c'est le Kadosh Baruch Hu lui-même qui sonne le chauffard. C'est pour ça qu'on dit l'ishmoa kol shofar. On est là pour écouter le son de Kadosh Baruch Hu. Mais pour écouter le son de Kadosh Baruch Hu, il va nous impressionner. Il faut se préparer pendant le mois d'Eloul. Il faut se préparer pour pouvoir écouter le son du chauffard. Mais si on ne se prépare pas le mois d'Eloul, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, le hazan, il a super, il a bien sonné. Ouh, c'est ça. C'est le chauffard. C'est le son du chauffard qui t'a impressionné, qui t'a donné la chair de poule, c'est ça. Mais c'est Hachem qui a sonné le chauffard. Si on dit le rabbin a bien sonné, c'est un problème. Et c'est la raison pourquoi parfois le rabbin, qu'est-ce qui se passe? Il veut sonner. Et ça sonne pas. Et ça sort pas. Et encore il commence. Il souffle. Et ça sonne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ira Hashem Bercha Satan. On commence à dire Hashem, s'il te plaît. Beaucoup de fois, quand je prie, il veut nous rappeler. Eh messieurs, c'est moi qui sonne. Pour que je sonne, il faut m'écouter. Il faut faire une teshuvah. Lorsqu'on fait une bonne teshuvah, le Satan, il essaie par une dernière solution, un dernier moyen, trafiquer le chauffard, faire bloquer le chauffard, qu'il n'y a pas le son. Et lorsqu'on ne bouge pas, on écoute le hazan, il n'arrive pas à sonner. Et vers la fin, il réussit. On se sent tous soulagés. Ah, il a sonné finalement. Ça prouve que quand je prie, il a écouté notre prière. Parce que lorsqu'on ne fait pas une bonne teshuva, le Satan, il veut perturber. Mais toi, c'est la raison pourquoi on écoute. C'est pour ça, à Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, il s'appelle le jour le plus long. Pourquoi on appelle Rosh Hashanah le jour le plus long? Vous savez pourquoi? Parce que toute l'année, elle dépend de Rosh Hashanah. Vous avez compris? Quand on a eu beaucoup de copains, beaucoup des amis, beaucoup de la famille qui sont plus là cette année. Je connais plein de monde, plein de monde qui étaient là. Il y a ceux qui étaient en bonne et parfaite santé. En un mois, ils ont une maladie, les pauvres, ils sont partis. J'en connais plein, des enfants, des jeunes, des accidents. Combien on a écouté? Qui peut garantir sa survie? Qui peut garantir sa vie? Qui? Tout est inscrit le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas qu'à Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est toute l'année. Parce que toute l'année, c'est l'exécution qui se sent qu'ils ont un lien et un rapport avec Rosh Hashanah. C'est la raison pourquoi Hachamim disent, chaque nuit, on est jugé comme le jour de Rosh Hashanah. Parce que si Hasfi Shalom, à Rosh Hashanah, il y a une gezera sur nous, si deux jours, je fais une bonne teshuvah, je fais une bonne mitzvah, la nuit où je vais au lit, la Gezera, le décret, il peut être annulé. Et c'est la raison pourquoi ce jour-là, il s'appelle le jour le plus long. Parce que c'est un jour qui dure toute l'année. C'est comme ça que j'explique ce Zohar. C'est un jour qui dure toute l'année. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Le jour qu'on sent le chauffard, c'est comme comment il s'appelle le Rohé. Le berger. Lorsque le berger veut réunir son troupeau, il sonne, il a une corne, il sonne. Et dès que les béliers, le troupeau, ils ont l'habitude d'écouter le son de leur maître. Dès qu'ils écoutent, c'est l'heure du repas. C'est le berger qui nous appelle. C'est le papa. C'est le papa qui nous appelle. On va aller vers lui. Tout de suite, on va aller vers lui. Ils sont attachés au sang. Mes amis, à Rosh Hashanah, Hachem, c'est le Rohé. Hachem, Rohé. Adonai, Rohé, le Hessa. Kadosh Baruch Hu, c'est mon berger. Lorsque je sens que Hachem, c'est mon berger, le Hessa, jamais rien ne m'arrivera. Tout ce que je veux, je l'aurai. Parce que je dépends à mon berger, je dépends du bon Dieu, je dépends de Kadosh Baruch Hu. C'est lui mon berger, c'est lui mon protecteur. Lorsque je sens que c'est Kadosh Baruch Hu mon berger, le Hessar, j'aurai, il ne me manquera rien.
Mais alors je pense que c'est moi qui fais l'argent, c'est moi qui fais la santé, je ne sens pas que je dépends d'Akash Baroukh, alors t'es perdu. À Rosh Hashanah, mes amis, Akash Baroukh, il sent, écoute, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le berger, lorsqu'il sonne le corne, son shofar pour réunir son troupeau, est-ce que les fourmis vont venir eux aussi? Est-ce que les cafards aussi vont venir? Est-ce que les chiens ils vont venir? Est-ce que les chats ils vont venir? Est-ce que les oiseaux ils vont venir? Ils vont venir que ceux qui sont attachés au berger. Qui est-ce? Qui? Le troupeau. C'est le troupeau. Eh bien, rabotaille. Lorsqu'on se prépare pendant le mois d'Eloul, et à Rosh Hashanah, quand Kadosh Baruch Hu il sonne le shofar, ceux qui sont préparés, ils sentent l'appel de Kadosh Baruch Hu, l'ishmoa kol shofar. Ils vont aller vers Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Mais tout ça demande une préparation, une belle préparation, pour sentir Kadosh Baruch Hu, une préparation, préparation. Et c'est ça, Rabotai. Bon. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas préparés, ils ne vont pas écouter. Parce que Baruch HaShem, le jour de Rosh Hashanah, les religieux, les non-religieux, les tzaddikim, ceux qui respectent Shabbat, ceux qui ne respectent pas Shabbat, tout le monde y vient. Et Baruch HaShem, le jour de Rosh Hashanah, on est tous considérés Baal Shem Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, tout le monde est considéré comme des tzaddikim. On est tous considérés comme des tzaddikim. Comme qui dit Baal Shem Tov, Be'amer Kulam Tzaddikim. Am Israël, ils sont des tzaddikim. Pourquoi? Même ceux qui sont loin d'Hachem. Lorsqu'on leur dit ça à Juif, ils sont heureux qu'ils sont juifs. À Rosh Hashanah, ils sont tous là. Ils écoutent. Bon, ils ne sont pas préparés à Rosh Hashanah, c'est pas grave. Ils ne sont pas préparés pendant le mois de l'Eloul, c'est pas grave. Ils vont suivre la foule. Et si Dieu peut être quelque chose, ils vont écouter du rabbin quelque chose, ça va changer leur vie. Mes amis, le bébé, comment il reconnaît sa mère? Dès que le bébé écoute sa mère, il entend sa mère, dès qu'il entend, ça, il sourit déjà, il sourit. Pourquoi? La seule connexion qu'il a, le bébé et sa mère, c'est quoi? Le manger qu'elle lui donne sa mère. C'est ce manger qu'il lui donne, il la regarde. Dès qu'il voit sa mère, ça, il ouvre ses yeux. Il lève ses mains, il bouge, il veut aller vers sa mère. C'est le manger. Nous et Dieu, on est liés. Hachem, c'est papa. Avino Malkino. Kadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Qui fait que nous, on s'accroche à papa? Le manger, la Torah. Cette Torah qui nous a donné. Cette Torah qui nous a, et qui nous accroche vers lui. Et dès qu'on a un problème, papa, papa, Hachem, Hachem. C'est ça qui nous relie avec le bon Dieu. Mais si la maman, elle tourne sa tête à son fils et ne lui donne pas à manger, c'est la servante qui lui apporte à manger, eh ben, le bébé va être attaché à la servante de la maison. Et oui, bon, sa mère, il reconnaît toujours sa mère, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Nous, lorsqu'on a grandi au Maroc, on a grandi avec maman. Mes amis, c'est ça, Rosh Hashanah. Alors, je termine, mes amis, avec une histoire, comme je vous ai promis, sur Rabbi Chaim Pinto, et on arrête. Tout d'abord, à Botaï, je vous souhaite à vous tous une bonne année, Shana Tova. Beaucoup de parnassa, kinerasson, la santé, la joie avec Hachem, le mariage, les enfants pour ceux qui n'ont pas des enfants, la guérison pour ceux qui sont malades. Et je vous en prie, je veux que chacun de vous, si Dieu veut, il se rapproche d'Hachem, c'est ça la teshuvah, la shuv mehatato, retourne à la source. Si Dieu veut, ben, Hachem, on va inaugurer, si Dieu veut, le deuxième Beit HaMidrash à la rue du plateau, 32 rue du plateau, si Dieu veut. Ben, si Dieu veut, vous allez recevoir des lettres pour vous inviter à venir prendre des cours de Torah de temps en temps. Il y aura aussi des cours pour les femmes, bon, mettons se donner un peu pour les femmes aussi. Et comme ça, si Dieu veut, c'est avec cet engagement qu'on commence. C'est important, on commence un engagement avant Rosh Hashanah en disant à Hachem, mais toi je suis occupé pour les fêtes, mais après les fêtes,
je ne t'abandonnerai pas. J'ai mes enfants, Baruch HaShem, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, qui seront avec vous. Baruch HaShem, ils font du beau travail à la rue du Plateau. Baruch HaShem, on va continuer le travail. Et comme ça, si Dieu veut, au moins, on va devenir une seule personne. Mes amis, l'histoire que je vais raconter, c'est une lune des histoires que je ne sais pas si je voulais raconter ou pas. Ce n'est pas avec un père, mais plus avec mon père. Mais écoutez-la. C'est un de mes secrétaires, Moshe Mirali, qui me l'a raconté. Il m'a raconté que lorsqu'il était à Lyon, il y a un juif qui vient chez lui. Il lui dit, j'ai honte de raconter à Rabbi David une histoire que j'ai vécue avec son père. Alors il dit, c'est quoi l'histoire? Il lui dit, l'histoire était qu'une fois, j'étais chez son père pour recevoir une bracha à Ashdod. Et voilà, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et mon père, alayhi shalom, il ne va pas déranger, il ne m'a pas dérangé, il ne m'a pas dit, il va ouvrir la porte. Lui-même, il s'est levé, il va, il ouvre la porte. Il voit un monsieur debout, avec son chien. Mon père lui dit, oui. Il dit, je viens de Tel Aviv, je veux rentrer pour une bracha. Il a dit, mais il y a un problème. Tu ne peux pas rentrer avec le chien. Je ne peux pas. C'est la maison des tzadikim ici. J'ai allumé les veilleuses des tzadikim, tu ne peux pas rentrer. Il dit, je ne savais pas. Et je n'ai pas la chaîne pour l'attacher. Et j'ai peur qu'il se sauve. Et si je rentre, il va me suivre. Et si vous fermez la porte et il y a un voisin qui monte, il risque de le mordre. Parce que c'est un chien jnoun, il est un peu méchant. Et Rabbi, ça ne vous dérange pas, si je peux rentrer, ça y est, je l'attrape. Il dit, mais comment tu veux que je te fais une bracha lorsqu'il y a un chien dans tes mains, il faut que tu laves les mains. Et je ne peux pas laisser le chien rentrer. Il dit, tu sais quoi, tu rentres, écoutez bien l'histoire, hein. Tu rentres et tu vas voir que le chien ne va pas bouger. Attends, où vous avez entendu un chien qui ne bouge pas? Où vous avez entendu ça? Alors, il lui dit, d'accord, Rabbi, je rentre. Il rentre. Et le chien était à côté de la porte, il n'a pas dépassé le seuil de la porte, il n'a pas dépassé la mezouza. Et chaque fois qu'il veut rentrer, qu'il veut suivre son maître, il y avait une force qui l'arrêtait. Paralysé, il n'était pas paralysé. Chaque fois, il faisait marche arrière, on dirait qu'il fait marche arrière pour sauter, il a compris qu'il y a un obstacle, et il arrive au seuil de la porte, il ne bouge pas. Et mon père, la vache, il fait un petit sourire. L'autre était pâle. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, mon père, il lui fait la bracha. Une bonne bracha. Maintenant, mon fils, tu peux partir, tu prends ton chien. Mais, sache que chaque fois que tu touches ton chien, il faut te laver les mains. Parce que tu ne peux pas prier sans... Bon. Il sort, et le chien, il continue à faire marche arrière et avancer. Il lui dit, Boubi, non, je ne sais pas comment il l'appelle. Au Maroc, on dit Boubi. Et là, il appelle son chien, et le chien, il continue à faire marche arrière, il veut rentrer encore. Il a compris qu'il y a quelque chose là. Il rentre chez mon père, il dit, Rabbi, mon chien... Ah, mon père lui dit, ah, c'est vrai. Mon père regarde le chien, il le regarde, avec un sourire, il lui fait comme ça. Va. Et le chien fait demi-tour, il s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la beauté des tzaddikim. Les tzaddikim, c'est des avocats extraordinaires. Retzon yirehav yaaseh. Les tzaddikim, ils ont un pouvoir de demander à Dieu des choses. Ils peuvent demander à Dieu l'impossible, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas logique. Il peut prier pour avoir des enfants, à quelqu'un qui n'a pas des enfants. Les tzaddikim peuvent prier pour quelqu'un qui soit... Un bon, les tzadikim, ils ont un pouvoir. Vous savez pourquoi les tzadikim, ils ont ce pouvoir, mes amis? Parce que le tzadik, il va aveugle derrière le bon Dieu. Il va aveugle. Ce que Hachem lui dit de faire, il le fait. Alors quand je lui dis, puisque tu fais ce que je te dis de faire, avec des efforts, avec sacrifice, alors moi aussi je t'écoute. Toi, c'est ce que tu dis, je le fais. Mes amis, je vous donne ma parole d'honneur. Que vous avez un grand privilège ce soir, vous avez choisi un cours de Torah qu'un match de football.
vous avez fait un grand sacrifice. Je vous dois la parole d'honneur que, à un moment donné, lorsque mes enfants vont dire, papa, tu sais, papa, et c'est, ce soir, et Leicester, chaque fois que je fais un grand cours, il y a un match de football. Toujours, c'est toujours. Leicester, toujours. Et même, parfois, beaucoup des fois, William Arsène nous dit, regarde, il n'y a pas de match, on choisit la date, et ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, et il y a un match de football. Mais grâce à Dieu, ceux qui aiment Dieu, ben c'est comme ça. Ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas le match de football qui va les arrêter. Et ceux qui aiment le match de football, ben si Dieu veut un jour, ils sauront qui est le plus important, Hachem ou le football. Alors je vous demande à vous tous de se lever. Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Atzlihana. Je voudrais dire merci à tous ces jeunes qui viennent au cours de mon fils Abu Moshe chaque le dimanche, lundi, mardi, jeudi. Je leur dis un grand merci, que le bon Dieu les protège et qu'ils continuent à venir, qu'ils apportent leur... Aujourd'hui, ça devient le NRA, là du plateau, presque 1000 personnes par semaine qui viennent étudier. Presque 1000 personnes, c'est pas de rigolade. Venez, il faut voir pour croire. Presque 1000 personnes par semaine. C'est les écoutes de la Bihim Pidou Alav Shalom, c'est les écoutes de la Torah. Donc je dis merci à tous ces jeunes-là qui viennent étudier. Et encore merci à ces jeunes qui encouragent d'autres jeunes à venir étudier. Que Akash Baruch les protège, que Akash Baruch vous donne à vous tous. Bracha v'atzlaha. Et bien ça, Ezat Hashem, Shana Tova Metuka. Amen.